Je m'appelle Jeanne de Navarre. Je suis née le 14 janvier 1370, fille de Charles II, roi de Navarre, et de Jeanne de France. Mon destin a été celui d'une reine, non pas une seule fois, mais deux fois. Voici mon histoire. Dès mon plus jeune âge, j'étais destinée à un mariage qui renforcerait les alliances de ma famille. En 1386, à l'âge de 16 ans, je me mariai avec Jean IV, duc de Bretagne, un puissant seigneur français. Nous avons eu 8 enfants ensemble, et j'ai travaillé sans relâche pour consolider notre duché face aux menaces extérieures et aux tensions internes. La Bretagne était une terre riche mais souvent disputée, et il était de mon devoir de protéger notre héritage pour nos enfants. La mort de Jean IV en 1399 a marqué un tournant décisif dans ma vie. Je me suis retrouvée veuve à l'âge de 29 ans, avec de jeunes enfants à charge. Pourtant, mon histoire ne s'arrête pas là. Peu de temps après, ma vie a pris une tournure inattendue lorsque j'ai attiré l'attention d'Henri Bolingbroke, duc de Lancastre, qui allait bientôt devenir Henri IV, roi d'Angleterre. Henri IV et moi nous sommes mariés en février 1403. J'étais alors devenue reine d'Angleterre, une position qui comportait son lot de responsabilités et de défis. Henri était un homme complexe, un roi guerrier qui avait usurpé le trône en renversant Richard II. Notre mariage était plus qu'une simple union personnelle, c'était un acte politique destiné à renforcer sa position en Angleterre et à obtenir le soutien des nobles français. En tant que reine d'Angleterre, j'ai dû naviguer dans un environnement politique tumultueux. Les rébellions et les conspirations étaient monnaie courante, et j'ai fait de mon mieux pour soutenir mon mari tout en essayant de maintenir la paix et l'ordre au sein de la cour. Mon expérience en Bretagne m'a été précieuse, car j'avais appris à manier les intrigues politiques et à négocier avec les différentes factions. Malheureusement, mon mariage avec Henri IV n'a pas été béni par la naissance d'enfants. Cela a ajouté une certaine pression sur notre union, car la question de la succession était toujours délicate. Cependant, j'ai joué un rôle important en tant que conseillère et alliée fidèle de mon mari, cherchant à stabiliser son règne et à apaiser les tensions entre les différentes factions nobles. La santé d'Henri IV a commencé à se détériorer au fil des années, et il est décédé en 1413. Après sa mort, j'ai continué à vivre en Angleterre, bien que ma position à la cour ait été quelque peu réduite. J'ai maintenu des liens avec mes enfants en Bretagne et veillé à leurs intérêts depuis l'étranger. Mon statut de veuve royale m'a conféré un certain degré de liberté, bien que je sois toujours restée impliquée dans les affaires politiques. Ma vie a été marquée par des périodes de grande influence et de pouvoir, ainsi que par des moments de deuil et de défi. J'ai survécu à deux maris et à de nombreux conflits, et j'ai utilisé chaque expérience pour renforcer ma détermination et ma sagesse. Je suis décédée le 10 juin 1437, ayant vécu une vie riche et complexe, empreinte de responsabilités royales et de défis politiques. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je suis fière de ce que j'ai accompli et des épreuves que j'ai surmontées. Mon héritage perdure non seulement à travers mes enfants et mes petits-enfants, mais aussi dans l'histoire des royaumes que j'ai servis en tant que reine. Mon histoire est celle d'une femme qui a navigué à travers les tempêtes de la politique médiévale, avec courage et résilience.